Bonjour à tous, c'est XM. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur The Last of Us Part 2. Donc, dans cette vidéo, on va finir d'explorer du coup cette carte. On a la banque qui est normalement en bas, le point d'interrogation qui est en bas. Je viens de voir qu'il y avait un point d'interrogation qui était en haut. Du coup, je pense que je vais aller faire un tour là-haut avant. Ensuite, je vais descendre pour voir cette banque et pouvoir ramasser le maximum d'équipements possible, apparemment il y a de l'équipement là-dedans, pour pouvoir continuer. Voilà, donc du coup on va monter vers la petite icône avec le resto là directement, et on verra la banque après. Donc on va passer par là, c'est bien ça, c'est bien ça. Allez, ça aussi là, il y a un truc là. Il y a avoir des équipements ici. Quand même. Petite base militaire comme ça, y a rien. Ça m'étonnerait. Je vais marquer l'endroit. D'accord. Ah voilà, un petit établi, c'est ça? Oui, c'est ça. Cadence de tir, on s'en fout la cadence de tir, j'ai déjà fait un truc là-dessus. Alors, cadence de tir, stabilité, recul. Oh, c'est pas mal ça. Ouh. C'est bon ça. Donc on va pas tout utiliser sur une seule arme. Parce que celle-là aussi elle est un peu pourrie d'ailleurs. Cadence. Et on s'en fout que tu tires vite avec ça, il faut tirer précis. Et on va continuer avec ça. Parce que j'aime bien cette arme. Ça me fait penser un peu au Beretta, même si c'est écrit Nicotera, c'est un Beretta. Stabilité, cadence de tir. Non. Putain, putain, pour un point quoi. Je préfère attendre et acheter ça plutôt que ça. Je vais acheter ça. J'attends. Ok, allez, on se casse. Je ne fais pas de ça, pose ça. Ah merde. Oh, c'est pas grave. Allez. On dirait qu'il n'y a rien d'autre par ici. C'est quoi ce truc que j'ai ramassé là? Oula. Oh. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. C'est pour la température, c'est quoi ce truc? Ah. Placer l'extrémité de l'appareil contre la peau, appuyer fermement sur l'appareil jusqu'à entendre un clic. Maintenir en place pendant 3 secondes, consulter les résultats sur l'écran central. Ouais, c'est ce qu'un militaire avait utilisé sur Ellie dans le 1, qui nous avait permis de voir que, enfin de comprendre qu'elle était infectée. Bon, pour le coup, immunisée, puisqu'elle n'avait aucun des symptômes. Je me demande comment Addy va prendre ça une fois qu'elle croira ce que Ellie lui dit du coup. Donc je profite pour faire l'amélioration que je voulais. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas trop compris ce qu'elle a fait, mais bon. Ça commence à sentir la PS4 qui chauffe. Putain, ça m'étonne, elle est propre cette console et elle sent le truc électronique qui chauffe.
Alors, qu'est-ce que ce petit dessin? Another Day in Paradise. La vache, pas mal le dessin. Oui, c'est reposant de quoi? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est le petit cheval. Il est où d'ailleurs? Il est là. Je passe par là. Ah, mais c'est un magasin de musique. Il y en a des disques ici. The Sleek Habit. The Sick Habit. Voilà, allez. Bah, c'est pas comme si on l'avait écouté une centaine de fois ensemble. J'écoutais juste que je te trouvais jolie. Espèce de dragueuse. Outard, c'est parti. Alors, où est-ce qu'elle est censée être cette banque-là? C'est ça? Non. Oh, ça, c'est le restaurant. C'est lui. Hop. C'est la vitre. Voilà. J'en ai rien à foutre de faire du bruit, mais alors là, je m'en fous complètement. Salut Davis. Regarde les anciennes planques du WLF si tu trouves des réserves. Il y a peu de chance, mais on sait jamais. Prends tout ce que tu peux et retrouve-nous au Serena. T'en fais pas pour le carburant, on s'en occupe. Ok. Une nouvelle arme. Non, je n'ai pas là. Joël adorait le café, non? Tu plaisantes. Il aurait échangé n'importe quoi contre un paquet de café. J'ai jamais compris. On ramène l'essence jusqu'au portail de Fedra. Bon goût, mon cul, ouais. Oh, tu casses tout, s'il y a rien. Ouais, on devrait tout casser. Ouvre, ouvre, ouvre. Mais c'est pas ma première carte en fait. J'ai reçu un trophée là, première carte, mais je sais pas pourquoi il dit ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Où par cette porte? Oh! Comment t'as fait pour survivre là-dedans? T'as mangé ta merde? Ouais. Ça ouvre quoi? Merion est la sixième. Ben voilà, Merion est la sixième, c'est quoi ça encore? 900 millions et 6e. Eh, j'ai trouvé une clé. Il y a marqué Barcos dessus. On pourrait aller y jeter un œil. Voilà. On va regarder si on peut pas créer un truc. Ça, on en a plus. Si je me fais attaquer, c'est la merde. Il est où ton 900 millions? On passe devant, on descend comme ça, on passe. On peut descendre en tournant à gauche. Ok, c'est parti. On ramasse ça. Pop, 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 pop.
crois qu'on est déjà passé par là. Ouais, on va descendre et on tournera à la deuxième à gauche. Voilà, mousse qui a poussé là-dessus. Vous avez pensé à tout. On est passé ici déjà. Du coup, on tourne là. Et c'est le bâtiment qui est juste là. Hop. Ça. Eh, c'est pas sur la clé que t'as trouvé? Ouais, on va laisser le cheval ici. En sécurité. Ça va chier, je le sens. Oh merde, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va surtout se faire agresser, comme d'hab. Cet endroit. On dirait que ça appartenait au WLF. C'est quoi? Voilà les plans pour attaquer ce qu'on voit. La vache, le WLF a complètement anéanti l'armée. Ils sont vachement plus efficaces que les Lucioles. C'est pour ça qu'ils ont pu niquer Joël. Des fois, je me dis qu'elle est louche, cette Adi. Peut-être que je vois le mal partout, c'est pas bien. Mais, on sait jamais. Oh! Kuni et Ghost auraient adoré ce truc. T'en as pas, toi, équipé? Hein? Je sais pas à quoi ça va te servir. Voilà. Ok, allez. J'ai l'impression qu'il voulait me tirer un truc, mais je suis pas sûr. Non, ok, allez, dégage. Ça s'est fermé. C'était quoi ça? Mine de rien, ça accélère le changement de l'arme, c'est pas mal. Faudrait pas qu'elle en ait partout sur elle quand même. Ça serait débile. C'est quoi ça? De la propagande WLF. Ouais, ça me voilà. Rappelle les Lucioles à Boston. Au Nouveau-Mexique, c'était les corbeaux. Ils étaient autoproclamés protecteurs de la Constitution. Ouais, hop, quoi? Et c'était qui exactement? Des ex-Fedra qui voulaient plus se plier à toutes leurs règles. Ils menaient des raquettes de protection. Et étaient polygames. Des grands hommes. Tu m'étonnes. Ouais. Allez, on s'en fout, on va à la banque, on a des trucs à faire. Je pense qu'on a tout fouillé ici. J'avais laissé là le cheval au ski. Ouais. Ah. Tu m'as fait peur. Dans cette petite ruelle là, j'ai pas regardé ce qu'il y avait. Bon, je pense qu'il n'y a rien, bien entendu. Mais il faut mieux regarder plutôt. Voilà. Hey, t'es inquiète? À propos de quoi?
de tout ce qu'on a trouvé sur le WLF. On dirait qu'ils sont plus organisés que prévu. À droite, ouais, bah ça change rien pour moi. Ça veut juste dire qu'il va falloir être plus prudente. Au moins, ils savent pas qu'on va la tomber dessus. Exactement. Tout va bien se passer. Oui, bon, tu sans m'étonnerie qu'ils mettent ce bâtiment là. On ferait mieux de retourner au portail Fuck Fedra avant la tombée. Et qu'il y ait rien. Ouais. Oui. Peut-être qu'on croisera des WLF à la base Cerevena. C'est solide, tu crois? Je sais pas. On verra. Très longtemps. Oui, j'y vais. Attention. De folle. J'espère vraiment qu'il y a une raison pour laquelle tu montes ici. Voilà. Docteur Huckman. Oh ça. Ok, je voulais sauter dans le vide, mais je crois que ça me défonce trop la vie. Ok, il n'y a plus rien ici. Oui, allez. Tac. C'est parti. Je suis sûr que si je continue à explorer un peu la ville, je vais trouver des trucs. On essaiera de le faire peut-être après. On va déjà aller à la banque. Ça fait un petit moment que je traîne et que j'avance pas du tout. Ça doit ennuyer les gens, j'espère pas. Voilà. Oui, c'est ça. Regarde l'enseigne. Je crois qu'on a trouvé la banque. Tu veux y jeter un coup d'œil? Comme tu veux. Ça sent la merde cette histoire. Ouais. Là. De toute façon, si ça sentait pas la merde, ce serait pas un bon jeu. J'espère que je rentre par le bon endroit déjà. J'aime bien entendu. Oui. Mais c'est pas un peu trop dangereux ça? Détends-toi. C'est sûrement comme ça depuis longtemps. Ça va pas s'écrouler maintenant. Enfin. J'ai des méga reflets sur mon écran de télé là. C'est. Avec le. Le noir du jeu, j'avance dans le vide. Bon. Eh ben voilà, ça commence. On a combien de temps là? Du coup les amis, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais laisser l'exploration de la banque pour la prochaine. Je pense que ça va nous prendre un petit peu de temps. J'espère en tout cas. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Abonnez-vous surtout. Laissez-moi des commentaires. Partagez la vidéo si vous voulez. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt. Merci à tous. Ciao.